Un jour, j'ai invité une Sénégalaise au restaurant. Elle était magnifique. Elle avait vraiment, tu sais, la peau à la Alec Wek. Et elle avait un corps dur. Je n'ai pas touché. Mais ça se voyait qu'elle... Je l'invite au restaurant et tout. Et donc, moi, dans ma tête, je fais mon plan, tu vois. Resto, cinéma, DVD de Prison Break ou va savoir. Puis, bon, le piège, je referme. Et puis, à un moment, je la vois. Donc, on est en train de manger tranquillement. Et puis, elle prend un verre de coca et puis elle fait... Moi, je la regarde, tu vois. On était dans un restaurant au Marais. Autour de nous, il n'y avait que des homosexuels. Et puis, elle fait... Tu vois, autour de moi, tout le monde a fait. C'est quoi ce comportement, là? J'ai pris mon téléphone. Il dit, où est-ce que je suis arrivé, là? Quoi? Quoi, studio, maintenant? Ah, mais non, mais je suis... Oh, ok, j'arrive, Soumia. Il est parti. Non, mais les rendez-vous comme ça, t'as vraiment des rendez-vous. Merci, trop bizarres, écoute, mais pourquoi elle fait ça? Je me pose la question. C'est pas, je sais pas. Je peux pas t'expliquer. Je sais pas si peut-être elle voulait me faire peur ou elle voulait me prouver quelque chose. Et elle me fascinait. Vraiment, elle me fascinait. Sa peau était... J'avais jamais vu une peau aussi belle et uniforme. Elle avait la peau... Presque la peau des... nilotiques. Merci, Madame Kez. Et donc, je la recroise en boîte. Peut-être 2 semaines après. Et elle me dit, ouais, tu m'as plus jamais appelé. J'ai dit, bon, pardon, franchement. Merci, Willow Arts. Merci, mes abonnés, vous êtes sympas. Merci, merci. Merci, tout l'argent lui sera reversé. Ne vous inquiétez pas. Non. Donc, je lui dis, non, mais ça va, tu sais, je vais pas te courir après éternellement. Si t'as pas envie. Qu'on fasse un truc, il n'y a pas de problème, on peut être potes en fait. Moi, il n'y a pas de problème en fait. T'as pas. Oh, Bodhisattva! Distributeur automatique. Merci beaucoup. Tu devrais interviewer Bodhisattva. C'est quelqu'un qui a une histoire très, très intéressante et atypique. Et si un jour tu reprends je pense que vous feriez une très bonne paire sur il a un show sur YouTube où il joue de la musique deux fois par semaine pendant 2 heures et il joue que de la musique africaine et c'est vraiment quelqu'un, enfin je vous connecterai et puis peut-être que tu pourras aller avec ta famille là-bas et nous sauver tous. Donc, je te disais. Donc, je lui dis, écoute, je te trouve magnifique. Mais t'as vu, je vais... Enfin, on va pas se... Ah, merci Aminata, merci beaucoup. Continuez le train, continuez. Et donc, je lui dis, ouais, franchement, je te trouve magnifique, mais je vais pas te courir après, en fait. Ah, merci Momo. Ils vont te tuer ce soir, hein. C'est bien, non, ça, les amis. Non, okay, me tuer. Moi, j'aime l'argent. Pas me tuer en me donnant de l'argent. Ça, jamais. On en parlera de ça après par rapport à l'argent sur YouTube. Parce que j'ai des choses à dire. Good. T'inquiète pas, on n'a pas fini. On vient de commencer. Et donc, je lui dis, ouais, tu sais quoi, laisse tomber. Oublie mon numéro, viens, on se rend pas la tête, machin, nan, nan, fait, ah, mais quoi, mais je comprends pas. Je dis, non, écoute, je t'invite au restaurant, tu rôtes au milieu des gens. Viens, on laisse tomber. Viens, on se prend pas la tête, on se... Cool, il n'y a pas de souci, hein. On est ensemble. Elle fait, demain, je serai chez toi à 15h. Ouais, c'est ça. Ok. Le lendemain, je suis chez moi, et puis...
Lago m'envoie un message. Il me dit, ouais, je suis à 30 minutes de chez toi. Dans 30 minutes, je suis chez toi. Et bon, je commence à nettoyer chez moi, machin. Je commence à mettre du parfum. Je prends une petite douche rapide, je mets du parfum. Je mets babyol sur mon corps. I'm ready. I'm ready. Tout talc sur l'anaconda. Tout est prêt. Elle arrive chez moi. Elle arrive chez moi. Et la première chose qu'elle dit, c'est « Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il te plaît ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Elle me dit qu'elle est partie chier quand même. Elle a dit « Oh non, donc moi, là. Je suis là sur mon ordinateur, donc j'attends tranquillement. Et puis je me dis « Ouais, mais un peu de temps, bon, ça se trouve. Je sais pas, se prépare, on va savoir. » Puis j'entends la chasse se tirer une fois. Deux fois. Tu dis trois fois, non, trois je fois. Pas. Et puis. Elle s'était connue ou quoi? Elle sort et elle dit je te conseille de ne pas rentrer tout de suite. Mais attends. Même avec quelqu'un qui s'est marié depuis 10 ans, tu veux pas dire des choses comme ça, quelqu'un que tu viens de rencontrer. Ah non, elle n'a aucun savoir-vivre, elle, c'est pas possible. Et comment t'as fait pour sortir de cette situation? J'ai regardé la porte. J'ai regardé ma porte. Elle a regardé ma porte, elle a fait je crois que je vais. Merci beaucoup, Van Feko. J'ai regardé la porte, elle m'a dit je crois que je vais y aller. Parce que moi, dans ma tête, je ne voyais plus que son anus bordé de merde. C'était fini. C'était terminé. Et puis elle a fait bisous. Puis elle est partie. Et je ne l'ai plus jamais revue. Donc si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Ça me rappelle une histoire qu'une fille avait racontée sur Twitter, je ne sais plus exactement, mais elle disait qu'elle était partie à son premier rendez-vous avec un mec et tout, et que vraiment, elle ne pouvait pas se retenir, quoi. Donc elle est partie aux toilettes, et malheureusement, donc elle a fait caca, évidemment, et malheureusement, elle tire la tasse d'eau et ça ne tire pas. Et là, elle se dit, putain, la honte, si le mec... La chaise ne marchait pas en fait. Donc là, elle dit comment je vais faire ? Parce que là, c'est bon. Oui, chez lui, chez le mec. Là, c'était vraiment la honte. Donc là, ce qu'elle a fait, elle a ramassé, elle a entouré du papier toilette et elle a mis dans son sac à main. Parce que ça a été comment faire en fait. Ah, je me suis dit, pas la crotte que tu viens de faire chez un mec alors que tu viens de rencontrer. Donc elle a paniqué, ça, la chasse d'eau ne marchait pas. Elle a bien enroulé ça dans du papier toilette. Elle a ramassé à la main. Mais oui, bah, avec du papier toilette, tu vois. Et elle a ramassé, après, elle a tout emballé. Mais après, elle est restée avec le gars. Oui, mais t'aurais fait à sa place. T'aurais préféré que le mec il voit ton truc dans les toilettes ou que tu l'enlèves et le caches. Moi, j'ai envie de faire comme elle, en fait. Hein. Je sais pas. Hein. J'aurais trouvé un seau et puis j'aurais fait avec le robinet, j'aurais fait fausse chasse. Oui, il va falloir que tu lui expliques pourquoi ça devient un seau. Et que c'est le mec qui vient voir et tout, tu viens de le rencontrer, vous connaissez même pas. Tu dis, regarde pas. Oh non, mais non, mais c'est gênant quand même comme situation. Donc elle, comme elle a paniqué, tout ce qu'elle a su faire, c'est l'enlever, mettre dans son sac à main et puis apprendre et puis partir après, quoi. Moi, je connais un chanteur de zouk très, très, très connu et très, très, très aimé. Mais vraiment, hein, dans le top 5, là. Pensez à un des top 5. Et un jour, il voulait, avec sa nana, il voulait tenter la sodomie. Donc, elle ne l'avait jamais fait, lui non plus. Ouais. Et donc, bon, merci, Lise. Tu vois, finalement, affaire de caca, ça fait. Affaire de caca, ça réveille les super chats. Donc, elle lance. Donc, ils mettent du lubrifiant, machin. Et puis, au moment où elle s'assoit sur lui, elle a dit je crois que c'est plus facile si je m'assois sur toi. Elle s'est assise sur lui. Et puis, toute la diarrhée du monde est tombée sur le gars. L'amour. Si tu me regardes, je t'embrasse. Waouh! Ah non, vraiment, oh, l'amour. Un garçon très connu. La honte, ah, j'aurais pas aimé être à ta place, hein, franchement. J'avoue que là, je crois que je peux même. Wow. Je sais même pas si on peut être ensemble après.
Mais ils sont restés ensemble après quand même? Je sais pas. Bon, après, mais j'imagine la honte quand même, parfois il faut nettoyer. Ah non, 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 oh, non. Non, c'est chaud. La honte. Ça, c'est...